Chers amis terriens, bien le bonjour et bienvenue dans mon usine 2.0 puisque voilà, enfin j'ai l'alimentation au charbon, j'ai les brûleurs à charbon, j'ai enfin une alimentation stable et auto-alimentée, même si ici c'est quand même très moche, il va falloir que je corrige ça et que je mette un autre séparateur. Je vais vous montrer ça en détail, mais enfin je peux vous dire que je suis soulagé et que je n'ai plus à me soucier de l'alimentation électrique. Alors le charbon arrive de la ligne qui est tout à fait là-bas, que je vous avais montré dans la vidéo précédente, et finalement je l'ai fait venir en convoyeur jusqu'ici au pied des chutes d'eau, endroit qui était tout à fait magnifique avant que je vienne y installer tous ces brûleurs à charbon extrêmement polluants. Ici parce que j'ai justement de l'eau et je peux récupérer de l'eau, et c'est le seul endroit où c'est assez profond pour pouvoir venir pomper et installer les pompes à eau. Donc j'ai deux circuits différents, trois pompes qui envoient un peu plus de 300 litres, donc histoire que les tuyaux soient pleins. Dans ces, je crois qu'il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 d'un côté et 6 de l'autre. Donc 3 pompes d'un côté, 3 pompes de l'autre dans deux réseaux complètement séparés et indépendants. Le charbon qui arrive ici, alors pour l'instant ce sont des MK2, mais je me suis débloqué les convoyeurs MK3, donc je vais pouvoir envoyer 240. Je ne vais pas monter à 270, mais 240 par minute, histoire de pouvoir rallonger un peu ces générateurs et en rajouter. Normalement je suis aux alentours de 900 MW, voilà, 900 MW, ce qui est pour le moment largement suffisant, c'est le double de ce que je consomme, donc pour le moment ça suffit, mais je sais que je pourrais en rajouter et être encore plus tranquille. Alors je vais vous montrer ce petit coin là, et surtout une chose très importante. Si jamais un jour vous devez vous installer sur une planète et que vous avez ce genre d'installation, ce genre d'usine à faire, j'ai alimenté bien sûr, toute mon usine est alimentée par ces générateurs à charbon. Ici je me suis installé, on va dire, un poste de secours. Donc ici j'ai les petites machines qui me font du biocarburant solide, de la biomasse, donc pour faire le biocarburant solide, et ici je mets du bois. Que je suis allé récupérer ici à droite à gauche, donc élément extrêmement pratique. Je vais avoir ma tronçonneuse par là, voilà, on va récupérer un peu. Donc j'ai bien fait le ménage ici, hein, il y avait des arbres partout. Hop. Allez, je vous montre ça. Tac. Alors on va mettre le bois, il est là, tac. Donc le bois qui fait de la biomasse et qui fait du carburant solide, juste pour alimenter ces 5 petits brûleurs à biomasse. Alors pourquoi j'ai des brûleurs à biomasse ici? Ils sont éteints. Voilà, je l'avais rallumé, mais là il est éteint. Ils sont tous hors tension, il y a tous du carburant à l'intérieur. Et pourquoi j'ai ça? Tout simplement, en cas de coupure de courant généralisée, il faut que je remette tout ça en route. Donc ça veut dire les pompes à eau, donc il faudrait que je remette en route les brûleurs à charbon, et pour ça j'ai besoin obligatoirement d'eau, donc des pompes à eau, et j'ai besoin obligatoirement de charbon. Donc ça peut s'arrêter pour une raison x ou y, un problème d'approvisionnement en eau, même si normalement je suis tranquille, un problème d'approvisionnement en charbon, ce qui m'est arrivé en fait, tout était bien en route, ça tenait le coup, ça a tenu plusieurs jours, et puis au bout d'un moment, pouf, ça a coupé. Et bien dans ce cas là vous voyez qu'ici j'ai deux poteaux, il suffit que je rallume tous ces brûleurs à biomasse, je connecte ce poteau avec ce poteau, et ça m'alimente exclusivement les pompes à eau ici, et la mine de charbon qui est tout au bout là-bas. Voilà. Vous voyez que j'ai fait des convoyeurs, et sur le réseau de convoyeurs j'ai mis des poteaux. Ça a beaucoup plus. Alors je sais pas si c'est très esthétique, mais en tout cas c'est pratique, puisque du coup ils sont pas au sol et que je peux me balader librement dessous avec des camions, avec la nouvelle voiture que je me suis débloquée avec les recherches.
Et du coup, cette ligne-là, pareil, elle n'est branchée que à l'alimentation en charbon qui alimente les brûleurs à charbon. Donc, évidemment, avant de faire ça, il faut que je déconnecte toute l'usine qui est branchée sur les brûleurs à charbon. Et toute l'usine n'est alimentée que par ce câble, un seul et unique câble qui part envoyé vers l'usine que j'ai un petit peu agrandi, enfin j'ai surtout agrandi les fondations, mais je vais vous montrer plus tard. Donc ce câble-là alimente toute l'usine et que ce câble-là, donc il suffit que je le débranche et du coup l'usine ne tire plus sur les générateurs et donc ne tirera pas sur les brûleurs à biomasse et donc j'ai un réseau complètement fermé et que donc je peux remettre en route temporairement, on va dire, le temps de corriger le problème, à savoir, je peux l'enlever, je pense. Hop. Donc, soit l'alimentation en charbon, soit l'alimentation en eau qui serait défaillante. Les pompes, évidemment, ici, sont branchées aussi sur le même réseau. Et voilà, donc, petit système de secours fort, fort pratique et fort, fort utile. D'ailleurs, je me rends compte que mais ouais, elles sont pas alimentées, eux. Alors, elles sont branchées comment? Là, là, là. Alors, faut que je débranche de là. Et je branche là. Voilà. Et ça marche. Voilà. Et les brûleurs à biomasse, ici, on est toujours sur un réseau à zéro en électricité. Donc, tout va bien. Donc une très bonne chose de faite. Et comme je me suis débloqué les convoyeurs MK3, je me suis également débloqué l'acier. Et je vais vous montrer, grâce à ma super petite voiture, on va aller voir l'usine d'acier qui pour l'instant est pas très grande, toute petite, mais que je vais agrandir là tout de suite. Voilà, on y arrive. Voilà. Allez. Vous voyez, la ligne ici, c'est la ligne de charbon qui va jusque là-bas. Vous voyez, la mine, elle est là-bas. Je vais prendre un petit peu d'altitude. Voilà, la mine de charbon qui alimente l'alimentation électrique. C'est celle qui est là-bas tout au fond. Alors pourquoi je ne suis pas venu prendre le charbon qui était ici, puisqu'il n'y en avait plus près? Pour une simple et bonne raison que je vais vous montrer. C'est d'une logique implacable. Ce carré là. Donc j'ai deux filons de charbon qui sont ici. Qui sont du normal. Voilà, c'est du normal. Donc deux. Et deux. Pourquoi j'ai pas pris le charbon qui était là? Tout simplement parce que juste à côté, juste ici, j'ai un filon de fer. Et du coup, fer plus charbon juste à côté, extrêmement pratique pour faire l'acier. Et ici, c'est du normal aussi. Voilà. Donc du coup, ça m'a permis de faire une petite usine d'acier que je vais vous montrer maintenant. Donc pareil, toujours sur des fondations en altitude et surtout en altitude à la même hauteur que l'usine et surtout dans le même sens que l'usine, c'est-à-dire que tout est raccordé et que du coup les dalles sont exactement dans le même sens et sont raccord. Vous voyez, hop, les dalles courent ici le long et là-bas jusqu'à l'usine pour que tout soit alignable et que tout voilà, ça ne se superpose pas de manière très moche. Ce qui peut des fois arriver si vous faites des structures qui n'ont pas la même base. Voilà. Donc l'acier est ici. Les fonderies avancées pour faire l'acier sont ici avec leurs deux entrées. Hop là. Donc une entrée en charbon en bas, une entrée en fer au-dessus. Ça, je peux l'enlever. Voilà. Hop, qui arrive par ce mur. Donc le fer qui arrive de là, donc juste à côté. Là-bas, je crois que c'est du cuivre, donc je ne peux pas l'exploiter. Et là-bas, j'ai du ciment. Donc ça va pouvoir également me permettre d'aller chercher ce ciment qui est juste à côté pour pouvoir faire les poutrelles.
Comment ils appellent ça? Ben non, là je ne les aurai pas. On va regarder dans une assembleuse. Voilà, les poutres en béton armé. Donc où il faut les poutres en acier, vous voyez en bas à droite, les poutres en acier et du ciment, du béton plutôt. Donc ça, je vais pouvoir le faire extrêmement facilement en étant basé ici. C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. Donc ici, les fonderies. Donc je pensais pouvoir en faire 5 ou 6. Et en fait, comme je prends 60 et 60, 120, et je crois que je tire 120 sur celle-ci, puisque j'ai dû rajouter des éclats de charge faits avec les électrolimaces. Donc 120 et 120, sauf qu'elles prennent 45. Donc au final, je ne peux en faire que 3, et encore pas tout à fait 3, pour faire vraiment les lingots en acier. Vous voyez, là, c'est un peu. Ah bon, ça se remplit plutôt pas mal. Donc j'aurais peut-être pu en faire un peu plus. Et ici, du coup, j'ai mes poutres en acier d'un côté, deux usines de poutres en acier. Et une usine de tuyaux en acier qui partent ici par-dessous, qui suivent ce long chemin et qui récupèrent ce que vous voyez là en hauteur, qui est le bus principal qui arrive jusque à ma réserve et à mon stockage. Donc tout est disponible au niveau de ma base, les poutrelles en acier et les tuyaux. Tout ça est complètement disponible. Je me suis donc débloqué, comme vous l'avez vu, l'explorateur, la petite voiture. J'avais utilisé le tracteur que j'avais déjà débloqué avant en attendant pour faire les allers-retours. Et comme j'ai fini de débloquer le palier 4, j'ai également les hypertubes qu'il va falloir que je m'installe. Donc, c'est pas très compliqué. On va faire un hypertube qui part de là-haut et qui vient jusque là. Un autre qui va jusqu'à les brûleur à charbon pour gérer mon alimentation électrique si jamais j'en ai besoin. Donc ça va être à faire rapidement puisque la voiture c'est bien, mais bon, dans le désert vous avez vu, il y a beaucoup de bosses, c'est pas toujours très très pratique. Et voilà, alors le seul petit problème que j'ai, c'est qu'effectivement, comme je vous avais parlé des fondations, j'ai fait des fondations vraiment à part pour les brûleurs à charbon. Donc si j'essaie de raccorder les deux, ben, ça va pas coller. Peut-être que ça, ce sera modifié par la suite. Je verrai, mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'urgence. Donc maintenant que j'ai géré l'acier, maintenant que j'ai les poutrelles, je peux faire donc les MK3, les convoyeurs MK3, et surtout j'ai également la foreuse V2, donc qui double la capacité d'extraction des foreuses actuelles. Et la chose à faire en priorité, puisque vous voyez, j'ai que trois assembleuses pour faire j'ai que deux pour les poutrelles et un pour les tuyaux, donc c'est vraiment vraiment trop limite, étant donné que je vais consommer énormément de poutrelles pour les convoyeurs. Il va falloir que je double cette production, ce qui au final devrait être assez facile, puisqu'il me suffit de changer ces mineurs par des mineurs MK2, que je devrais pouvoir faire. Il me manquera juste une foreuse à main. Et du coup, est-ce que si je fais ça, ça marche? Non, il faut que je récupère la. Non, on va essayer de le mettre à jour plutôt que de l'enlever. Ce sera plus simple. Alors, on va se faire un petit atelier. On va se faire une petite foreuse portative. On va faire deux. Et normalement, je peux la mettre en MK2 ici. En MK2 ici. Voilà, et on passe de 60 à 120. Donc 120 et 120, 240. Donc du coup là, il faut que je passe à des tapis qui soient du MK2. Donc du 240, parce que là, j'ai beau avoir envoyé 120 et 120, à partir de là, il y a 240. Et là, pour l'instant, le tapis, l'élévateur et tout ce qui suit, c'est trop juste. Donc il va me falloir beaucoup, beaucoup de poutrelles. Donc c'est en cours de fabrication, c'est en train de se stocker tranquillement dans ma base. Donc je vais aller récupérer ça tranquillement. Ça, c'est vide, je vais le laisser là comme. Et je vais pouvoir doubler, voire tripler, je pense. Je vais aller voir celle-là là-bas. Il faudrait que je la passe en MK2 aussi. L'atelier, je l'ai viré. Non, il est là. Je vais me faire
La petite Ferrozana qui manque. Ah, j'ai plus assez d'espace. On va enlever les fleurs. J'ai tout ce qu'il faut au niveau fleurs. Voilà. Surtout, je peux m'équiper de ça. Ça, je peux le mettre là. Ça me fait gagner de la place. Ça aussi, c'est beaucoup plus pratique hein, pour se battre contre les bestioles du coin. C'est quand même beaucoup plus pratique. Là, on est sur du V1. Voilà que j'avais doublé. Donc, on voulait du 120. On peut être équilibré avec le charbon. Mais maintenant, il n'y a plus besoin des éclats de charge. On passe ça directement en V2. J'ai récupéré mes éclats de charge. On va renvoyer le minerai dedans. Ça me ferme la place. Et du coup, maintenant, ça envoie 120. Alors, ce que je pourrais faire, et ce qu'il faut que je fasse, c'est remettre les éclats. Tac, pour envoyer 240. Voilà. Et du coup, être équilibré avec le charbon. Donc, du coup, j'ai doublé ma capacité d'utilisation, enfin de production de l'acier. Ce que je pourrais faire également, c'est mettre deux éclats ici, pour passer à 240 et utiliser qu'une seule foreuse plutôt que les deux. On va se garder ça dans un coin de la tête au cas où il y ait besoin pour autre chose, pour si j'ai besoin de charbon pour faire autre chose, par exemple de la poudre noire, si j'arrive à trouver du soufre quelque part, j'aurai besoin de charbon pour faire de la poudre noire, donc je pourrais utiliser ça. Mais j'ai également là-bas tout au fond d'autres mineurs à charbon. Du coup j'en utilise qu'un aussi, donc j'ai commencé à passer tout ça, toute la ligne que vous voyez là, que je suis en train de suivre, qui va au brûleur. J'ai commencé à les passer en MK2. Voilà. Pour avoir. Ah j'ai plus d'essence. J'ai plus d'essence. Est-ce que j'en ai sur moi? J'en ai un petit peu. Voilà. Panne d'essence au milieu du désert, ça. Pas une bonne idée. Donc vous voyez la structure ici, ce n'est que la suite de mon usine, hein. Ce ne sont que des passerelles pour le moment, mais je suis toujours à temps d'en faire des vraies plateformes pour augmenter ma production. Et surtout je les ai étendues, vous voyez il y a des filons un petit peu partout au milieu de ce désert, il y a du fer, il y a du cuivre, encore un autre filon de fer là-bas. Et maintenant que j'ai les forêts MK2 et que je suis pas prêt de les changer pour une nouvelle version, ça arrivera sûrement par la suite, mais beaucoup, beaucoup plus tard. Je pense qu'on peut attaquer vraiment les choses sérieuses en termes de production. Et mon idée, je ne sais pas trop comment je vais organiser ça, mais mon idée, c'était de garder cette usine telle qu'elle, ou à peu près, et de ne l'utiliser vraiment que pour mon utilisation personnelle, c'est-à-dire tout ce qu'elle fabrique, ça ira dans mon stockage. Les plaques de fer renforcées, donc déjà l'acier qui arrive. Je fais également des rotors, vous l'avez vu. Donc tout ça, le garder vraiment pour mon usage perso, pour remplir mes stocks. Et si jamais j'ai besoin de plaques de fer, de tiges, de vis ou de rotors pour faire d'autres éléments, mais c'est vraiment les fabriquer exprès pour ces nouveaux éléments. Donc ne pas utiliser le stock que j'ai là, mais tout refaire dans une nouvelle usine, on va dire une usine 2.0, dans laquelle je n'aurai pas besoin de récupérer des vis, des plaques et tout ce que j'ai déjà stocké ici, mais où tout serait du coup beaucoup plus facile à équilibrer pour les éléments de plus haute facture, on va dire, sachant que là maintenant que j'ai débloqué tous les paliers, et bien ce qui me manque, ça va être d'envoyer des choses dans l'ascenseur orbital. Fixit a encore besoin de nombreux éléments, à savoir du plaquage intelligent que j'avais déjà réalisé, mais comme je n'en avais besoin que de 50, je les avais fait, on va dire, un peu à la main. Là il faut vraiment que j'automatise ça, il y en a besoin de 500. Il y a besoin de structures polyvalentes, donc j'ai besoin de cadres modulaires et de poutres en acier, donc je referai des cadres modulaires. Et là j'ai besoin de stators et de câbles, donc pareil, on va faire une usine vraiment exprès pour ça, tout à fait équilibré, et on va la faire, je pense, par là au milieu, avec une arrivée ici dans le main bus. Et l'avantage du main bus, c'est qu'il va arriver ici et il va pouvoir on va pouvoir récupérer ça directement ici dans les entrées de l'ascenseur orbital. Donc pas besoin de les charger à la main, on va faire un chargement automatique.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le boulot a été fait, hein. Il s'est passé quand même pas mal de temps depuis notre dernier rendez-vous et notre dernière vidéo. Donc maintenant, l'objectif, ça va être vraiment doubler, voire tripler, donc plutôt doubler puisque je suis passé de 120 à 240, donc doubler la production d'acier pour être tranquille. Profiter de doubler ça. Alors les tuyaux, je vais peut-être pas en faire, je vais surtout faire de la poutrelle, je pense, parce que c'est vraiment ça que je vais consommer. Donc tout ce que je vais faire là, ce sera de la poutrelle. Et prendre une petite partie de ces poutrelles en acier, récupérer le béton pour faire des poutrelles déjà renforcées. Comme ça, j'aurai également un petit stock de ça en avance. Et ce sera toujours utile pour la suite. Quoi d'autre? Finir de l'alimentation en charbon, de passer en MK2, l'alimentation en charbon pour l'alimentation électrique. Ça va être fait normalement plutôt rapidement. Et ensuite, donc récupérer. Alors je pourrais aussi passer en MK2 toutes les foreuses qui sont là, effectivement doubler ma production. Mais pour l'instant, j'en vois pas vraiment l'utilité. Surtout, je pense que si je double ça, il va falloir vraiment que je réorganise mon usine. Je pense qu'elle est trop basse. Mon étage de logistique est un peu trop bas. Et l'alimentation du main bus est pas hyper pratique comme je vous l'avais dit. Donc à voir, peut-être un rééquilibrage à faire, peut-être juste un rééquilibrage parce que je suis pas sûr d'être très équilibré. Je fabrique énormément de vis parce que je pensais en avoir beaucoup besoin. Finalement, je les consomme pas tant que ça, mais le reste est tout à fait plein ici en stockage. Ça se remplit plutôt vite. Les stators, les rotors, pas trop. Ça, c'est assez loin à fabriquer, donc on va dire que le rythme est plutôt bon. Ça, finalement, ça se remplit plutôt vite aussi. Je vais vider un peu mes sacs. Je vais m'organiser. Je vais travailler. Et je vous retrouve dès que ces petites choses auront été réalisées. Allez, à tout à l'heure. Me revoilà, chers amis terriens. Et enfin, tout ce qui est acier est enfin terminé. Et normalement parfaitement équilibré pour une bonne raison que je vais vous montrer. J'ai en fait 6 fours qui prennent chacun 45 de fer et 45 de charbon. 6 fois 45 égale 270. Et étant donné que les tapis des convoyeurs MK3 peuvent prendre jusqu'à 270 ressources, eh bien j'ai boosté un petit peu plus en tout cas le fer et le charbon pour avoir pile 270 à l'arrivée, ce qui me permet de mettre 6 fours qui vont travailler à 100%, et du coup ça me permet également d'équilibrer derrière. J'ai, je crois, 1, 2, 3 assembleuses qui font des tuyaux, et ensuite j'ai 1, 2, 3 assembleuses qui font de la poutrelle. Donc les poutrelles prennent 60 par minute, et les tuyaux ne prennent que 30 d'acier par minute, donc ce qui équilibre tout à fait bien, je sais pas pourquoi on était en stand-by, elle. Ce qui équilibre tout à fait bien l'apport en acier. Là, tout est bon, et j'ai déjà tout de plein, donc c'est vrai que ça fait un petit moment que j'y suis, mais tout est plein. Ensuite, je récupère des poutrelles en acier que je mets dans cette assembleuse pour faire les poutres en béton armé. Donc, je n'ai qu'une seule machine, mais je pense que pour le moment, c'est bon, en tout cas ça suffisant pour le moment. Voilà le béton, comme je vous avais dit, il y a une arrivée, enfin une mine qui est là-bas, pas très très loin. Où est-elle, où est-elle? Ça doit être le fer, donc voilà, elle est là-bas, celle de calcaire. Pour faire le béton, j'ai je crois 3 machines pour faire le béton. Le béton arrive ici par en dessous, toujours pareil, les convoyeurs en dessous. Et ce béton ne sert exclusivement qu'à cette machine. Voilà, c'est peut-être un petit peu gâché. En tout cas, ça fait beaucoup pour une seule machine. Ensuite, j'ai toutes les poutrelles qui sortent ici. Tac, 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 qui viennent faire. Attendez, bougez pas. Je me suis perdu. Voilà, les poutrelles sortent par l'arrière ici. Elles viennent ici faire le tour.
elles sont divisées ici dans la machine et tout le reste part au stockage. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà plein, ce qui fait que dans l'absolu, je pourrais faire d'autres usines de poutres en béton armé, puisque le stockage est plein et que ça s'est rempli quand même assez rapidement. Donc à voir pour rééquilibrer ça en tout cas par la suite. J'ai également profité de ce petit temps pour me faire les tuyaux de transport, ce qui me facilite pardon, grandement la vie et me fait gagner beaucoup de temps. Donc j'ai un tuyau qui arrive là jusqu'à l'usine d'acier, qui va arriver là au milieu là, de la base, qui constitue une espèce de petit hub, en tout cas un genre de petit carrefour. Voilà, j'ai ici mon départ vers la base principale et ici je pars vers les générateurs à charbon que j'ai également agrandi. J'ai donc un total de 16 brûleurs à charbon, ce qui me génère 1200 MW. Voilà, je suis à 1200 MW. J'ai agrandi les extracteurs d'eau. J'en ai fait plein. Elles ne sont pas toutes en service. Je fais une deuxième arrivée d'eau séparée, pareil, pour les 4 machines du fond, histoire d'être sûr d'avoir assez d'eau. Et normalement, au niveau charbon, je suis large. Je pourrais peut-être en mettre plus. Je sais pas trop, mais en tout cas, pour le moment, 1200 MW, c'est à peu près la moitié de ce que je consomme. Donc pour le moment, ça me suffit. Même si maintenant, je vais attaquer, je pense, un gros morceau de la base. Je vais attaquer la deuxième partie, on va dire. C'est à 100. Et là, c'est à 100. Il y a de l'eau. Ok, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Donc oui, effectivement, je vais attaquer la deuxième grosse partie, comme je vous avais dit. J'ai des filons qui traînent un peu partout là dans ce désert, du cuivre, du fer. Donc ce que je voudrais automatiser, ce sont les éléments avancés que je vais avoir besoin d'envoyer dans l'ascenseur ici. Et ça va nécessiter pas mal de ressources et je voudrais faire une usine exclusivement pour ça, tout à fait équilibré en entrée de ressources, avoir juste ce qui est nécessaire et suffisant pour fabriquer tout ce dont j'ai besoin pour l'ascenseur et rien de plus. Je pense que j'ai largement assez en ressources, il faudra que j'aille chercher un petit peu à droite à gauche dans le désert, mais vous avez vu qu'il y avait un petit peu partout. Là j'ai encore du calcaire d'ailleurs. Là j'ai du cuivre, là-bas je crois que c'est du fer. Là-bas il y a encore du fer, là-bas je crois que c'est du fer aussi. Là encore du fer, là encore du fer. Il y en a vraiment, vraiment partout. On va retourner à la base. Je crois qu'il y en a là-bas, il y en a encore là, il y en a encore là, enfin... il y en a vraiment, vraiment beaucoup, donc je vais faire les comptes et il va falloir que je fasse le calcul en partant de ce que j'ai envie de produire, le nombre de machines que j'ai envie d'associer à chaque fabrication. Je pense que une, voire allez, maxi deux machines, ça devrait être largement suffisant. On va regarder ce dont il y a besoin. Je vais avoir besoin... Il va falloir que je fasse des stators à un moment, je sais. Il faut que je regarde ça dans une machine. On va regarder ça dans une machine, l'assembleuse. Alors, j'ai besoin de ça. Donc, il me faut des plaques renforcées et des rotors. Ça en sort deux par minute. Structure polyvalente, j'ai besoin de cadres modulaires et de poutres en acier. Je pense que les poutres en acier, ce sera le seul élément que j'irai récupérer dans le bus principal. Et en câble automatisé, j'ai besoin de stator et de câbles. Donc là, ça va nécessiter du cuivre, beaucoup de cuivre je pense. 50 câbles par minute. Et 2,5 stator, les stators, il y a besoin de 40 fils électriques par minute. Ah, j'ai besoin des tuyaux en acier aussi, donc j'irai taper dans le...
dans le bus principal. Normalement, on devrait pas avoir de soucis. Et on a dit plaquage intelligent, donc plaque de fer renforcé et des rotors. Et les rotors, mais il y a aussi du cuivre. Donc c'est surtout le cuivre, je pense. Tôle de cuivre et vis. Ou alors tige de fer et vis. Mais je pense qu'on fera tôle de cuivre. Je pense qu'on fera tôle de cuivre et vis. Mais alors, c'est la 195 vis par minute, j'en sors 11 par minute. Et là, 100 vis par minute et j'en sors 4 par minute. Donc c'est beaucoup plus rentable, effectivement, ça. Par contre, une machine me sort 11 rotors par minute. Et pour faire ça, j'en ai besoin de 2. Ah ouais, donc, ouais, donc j'ai besoin vraiment que d'une seule machine de rotors, ce sera largement suffisant. Donc je pense faire ça à peu près ici au milieu, puisque je vais pouvoir taper dans toutes les dans tous les filons qui sont là. Ramener tout vers la droite ici, remonter les ressources et commencer à les traiter. Donc voilà mon projet pour les prochains jours à venir. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Fixit me rappelle de vous dire de vous abonner, de laisser des pouces bleus et que vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Et écoutez, j'espère pouvoir vous retrouver très rapidement. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.